Donc Quinquarto EMS est une toute petite société. Alors c'est de l'édition de livres et de revues en management gestion. Moi, je suis le dirigeant, le comptable, etc. de la société, une collaboratrice qui s'occupe de la fabrication, donc une équipe permanente de deux personnes. On arrive à un stade où on se disait on a trop de travail pour faire face avec notre structure actuelle, mais en même temps on ne dégage pas suffisamment de marge pour qu'on prenne le risque d'embaucher quelqu'un à plein temps en CDI, etc. Et c'est là que oui, Progressis entre en jeu, puisque avoir quelqu'un de compétent, de stable dans la durée, mais sur un temps limité chaque semaine et avec un coût maîtrisé, ça répond plutôt très bien à nos besoins du moment. Dans cette société, je m'occupe de la gestion et de la comptabilité. Donc, je fais plusieurs tâches de gestion comme la gestion des abonnés, les droits d'auteur, mais aussi des appels d'offres et la veille des marchés des appels d'offres en fait. Ce qui est très important aussi dans la démarche de Progressis, c'est que nos compétences, nos expériences passées sont mises en avant et elles ont un coût. Donc Progressis s'occupe, on va dire, pour nous de négocier donc cette valeur ajoutée qu'on peut apporter à l'entreprise. Le temps partagé, ça vous apporte gain de temps, flexibilité et puis investissement dans la durée aussi. Donc ça répond vraiment à plein de besoins d'une petite entreprise et ça apporte de la tranquillité au quotidien, ce qui est pas mal non plus.